8 victoires de suite. Allez, Xavier Lafaille pour arbitrer ce dernier combat de la soirée. Voilà, venu de Nice, Xavier Lafaille. C'est mal en anglaise. De suite. Les gars, 3 dans le coin, pas 4. 3. Je pas 3. Les gars, stop, là, je vais faire arrêter. Ça va. Façon de mémoire, Kamel, il avait pris un gros KO contre Marat Grigorian, super bon. Ouais. Ah oui. Okunlun justement. Richard, Carlos, mets-toi au niveau de. Ouais, en 2018, Okunlun 69 exactement. Ah, il était brutal. Ouais. Aline. Le premier, ne te fais pas voilà, dormir. Voilà, oui. Voilà. Rentre en anglaise quand il se jette. Oui, hop, c'est bien ce début de combat pour Lucien Varela. Il faut y aller sans complexe, il faut complexe, oui. Hein, bousculer super bon Manchamek, qui est lui plus habitué à démarrer en observation sur une première reprise. Cette fin de saison extraordinaire ce serait pour Lucien Varela. Accroché super bon palmarès. Dans la même année. Ce serait la terreur de 2020 chez les 70 kilos. De suite. Oui. Il est jeune encore, Wilson Varela, seulement 24 ans. Oui, genou. Ah, si, bien. Et on se rappelle, hein, face à Wilson, c'est l'anglaise qui avait mis en difficulté le Belge. Il y a de la puissance dans les poings de Wilson Varela. De suite, il y a une erreur, tu piques. Ouais, c'est. Attitude, distance. Allez. Le genou. Ouais, ça percute bien. Hein. Super, oui. Bravo, chez Varela, qui a des poings vissés. Et le taille qu'on avait en début de soirée, quand même. Il a été rejoint par deux autres. Ben là, on comprend mieux quand même. Attention, réflexe va être un peu plus fréquent chez super bon Manchamek. Il reste 40 secondes. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Oui. Oui, la jambe est sortie. Bouge le bus. Reste pas devant. Sors au front. Il n'est plus là quand la réplique de super bon se met en route. Jambe. Et fini, il faut que tu finisses. 20 secondes, oui. Le premier 10. Travail. Pour le kick. Taille. De deux côtés, pour le moment, on travaille sur un coup, sur balle pas encore. On est sur un rythme de synchrone et on est dans la. Montaï kick, on met là après une combinaison. Le taille qui est arrivé en milieu de semaine. On a vu plusieurs ralentis de ce front kick, hein. C'est une arme vraiment bien maîtrisée par les Thaïlandais. Accentué rapidement. C'est un nouveau combat qui commence. Oui. Allez, c'est bien, déjà, chercher de la hauteur avec la jambe arrière. Dans le truc bleu. Méchant. Dur, oui. Bloque-le, ça. Et quand même face à un des tout meilleurs 70 kg au monde. Quand bien même on serait en kickboxing et pas en Muay Thai. Ces garçons-là, les Wakao, les City Shy, les super bons. C'est ça, oui, là, ont démontré faut déclencher, hein. À de si nombreuses reprises qu'ils étaient aussi bons de en K-1 Rules que sont en Muay Thai. Encore. Ils ont su s'adapter, puis ça n'a pas été évident au départ parce qu'ils ont. Ils étaient vraiment dans le format Thai où. Ils avaient vraiment une seule règle à gérer. Là, on leur a demandé de changer de rythme, de changer de règle, de format de combat. Donc, il a fallu assimiler toutes ces choses. On l'a vu, ça a été bien fait, hein, pour la plupart des Thaïlandais. Oui, la Aline, les points. Prends le 4, il veut réduire. De suite, bloque-moi-le, ça. Oui, jambe 3. Allez. Oui, allez, et contrairement à ce qu'on annonçait, percutant, Kamel, oui, percutant. Ça ne prend pas encore cette deuxième reprise. Il t'endort, laisse pas dormir. Donc, à moitié il y a une bonne défense des deux côtés, il ne faut pas non plus se livrer n'importe comment.
chaque fois que vous tapez, il y a le risque de se faire contrer. 2-4 4-4 Oui. Oui, fais-le reculer. 2-4 Oui. Et puis on se rappelle aussi, face à Youssef, ça a été un peu dans ce rythme-là. Il avait trouvé l'ouverture avec une droite. Lâchez-la à la droite, lâchez-la. Wilson Varela. Lâchez-la à la droite, hein. Elle passe. Hein. Oui. Il suffit d'un coup en fait pour que tout s'emballe. Allez, oui, la droite. Le 3-4. Une minute. Oui. Attention à cette saisie. Il est avec un arbitre clément. Il a cette chance. 3-4. Super beau, bon chemin. Allez, Will. 45 secondes. Allez. De suite. Allez. Et taille, ils n'ont pas oublié de bloquer un joueur d'avion. Allez, lâchez-les, s'il vous plaît, allez. 30 secondes. Genou. Oui, allez, tombe pas sur le 1-3 ligne. Oui. Oh, vise-le. Depuis tout à l'heure, on entend le coin de Wilson Varela lui donner les consignes en combinaison numérotée, un peu comme Kevin Rooney qui travaillait avec Mike Tyson. Ah, c'est codifié, là, pour pas que le coin adverse comprenne. Vous croyez qu'il comprendrait? Regardez-les en face. Oui, allez, 1-3 ligne. Enfin, ils n'ont pas mis ça en place que pour ce combat, ça doit être... 1-3 ligne. Kati te met le 1, la route là. Qu'est-ce qu'on a pris? 1-4. Oui, Kati te met le 1. Allez, la troisième reprise. Et le principal reproche qu'on a fait à Wilson Varela dans son coin, à 7 minutes de repos, c'est de ne pas être assez dur. Il ne se laisse pas endormir par le rythme du taille. On ne trouve pas le Wilson Varela en mouvement qui va mettre un peu plus d'impact dans ses coups. Il attend beaucoup. Les mots ont fait leur chemin. Il vient d'être piqué dans son orgueil. Wilson. Lâche la droite, ne te colle pas, ça te travaille. Ne te colle pas, ça te travaille. Tu dois travailler le premier. Travaille là. Voilà, les trois. Mais attention, c'est oui. Puissant. Accélère, c'est là qu'il faut être dur. Cocher du gauche, le bras gauche, de manière générale aussi. Allez. Le super bon fait bien mouche. Allez. Le point de swing. De suite. De suite. Oui. Monte tes mains, Rascal. Il a gauché, il a gauché. Allez, on avertit Wilson. Super bon est passé en gaucher. Oui, il va falloir se méfier de la jambe arrière. Allez, attention, cette jambe gauche, super bon Chamek. On se rappelle, avait mis en difficulté City Shai. Voilà, le roi des gauchers. Oui, encore. Oui. Et elle sort très vite. Le roi des gauchers avait été mis en difficulté par une autre jambe gauche que la sienne. Et elle sort vite et elle peut monter rapidement à la tête. Là, Wilson fait un peu le jeu du Thaïlandais. Casse l'appui. Tourne pas sur sa jambe arrière. Mais il a entre guillemets quand même un moins bon client ce soir que face à Youssef Mouganem. Ouais, Youssef, c'est vrai. Il est tout en calcul, super bon. Le kick, quand en début de round, Wilson a voulu emballer les choses, il les a freinés avec cette jambe gauche. Vous savez, aujourd'hui, les combattants travaillent sur les derniers combats de leurs adversaires, donc ils les observent un peu en vidéo. C'est ce que nous disait tout à l'heure Emma, elle avait analysé un petit peu Sarah Moussadak. Oui. Donc ce travail dans le coin de Wilson Varela. On devait s'y attendre. Vous imaginez s'ils l'ont visionné ce combat entre Wilson Varela et le plus taille des Belges. Il s'est tenu au mois de juin. Lâche tes coups, oui. Lâche, allez. Lâche encore 15 secondes dans cette troisième reprise. Allez. De suite. C'est vrai que c'est un combat qui prend pas encore. On s'enflamme pas, mais il y a un travail précis apporté par super bon avec sa jambe gauche. Il vient un peu s'écraser son bras avant du Thaïlandais Wilson Varela dans ce cas. Si vous boxez au rythme d'un Thaï, ça devient vite très compliqué pour vous. Mais
du rythme. Fais-moi des 3-4 coups. Fais-moi des 3-4 coups. Allez, oh. Face à Arias, on avait un combat de Muay Thai rythmé comme un combat de kick. Là, on a un combat de kick rythmé comme un combat de Muay Thai. Et il y avait une garde de droitier. Super bon, bon Chamek. 3-4. Ah oui, il faut y aller. Et la remise. Montez-le, toi aussi, le genou. Ah, on a ce travail de middle qui... Ouais, il a repassé en fait la différence. On a eu trois middle de super bon. Rattrape genou. Et il joue un peu les charrières de serpent, Kamel. Là, il est en train d'endormir Wilson. Qui avait davantage pris le combat à son compte face à Bouganer. Et il l'endort bien parce qu'on a vu les attaques des super bons ne sont pas souvent suivies par Wilson Barrella. Tu dois le choquer. Et encore, il prend deux jambes. Il faut remiser tout de suite Wilson. À toi. C'est bien ce coucher du gauche. La droite. Un peu trop au sol. Ne jette pas, Will, allez, ouais, vas-y, garde-le. Will, premier, 3, de suite. Oui. J'ai la pierre de rosette, Kamel. 3, c'est le jab du gauche. Il a on lui a demandé de tripler. Le 3, allez, Will. 3, allez, vas-y. Wilson, 2-3. Ouais, encore. Allez, 2-3. Jambe arrière, 3, allez. Allez, oui, lâche-la. Allez, 3-4. Trop de passivité là dans l'attitude de Wilson. Les appuis, oui. Un peu mieux construire. Et au-delà du combat lui-même, il est en train de nous faire retomber un peu l'ambiance de la salle. Tout monté crescendo depuis 20h45. Oui, c'est ça. Reviens dans le combat, reviens. Durcis. Allez, vas-y. Oui, allez. Durcis. Allez. Encore, allez. Le front kick visage. La jambe avant. Il pense avec ce combat aller monter la salle en ébullition. Et finalement, c'est peut-être celui où il y a le plus de calcul. On attend le plus. On essaie de placer des coups, mais sans trop se livrer. Super bon qui fait son travail à la thaïlandaise. Allez, N3. Mets-le derrière. Sans paillettes. Il y aura un point de déduit pour Xavier Lafaye. Allez, fin de cette quatrième reprise où on a eu encore beaucoup plus souvent la position du gaucher et distribué plus régulièrement cette jambe gauche. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de dématons sur le gauche. On ne lâche pas. Il n'a pas été ébranlé, il n'a pas été bousculé non plus dans ce combat, mais il n'a pas fait le nécessaire non plus. Ah, il est clairement en retard et dans son coin, on l'a bien vu. Hein, son coach a été très lucide, il a dit on perd le combat mais on peut encore faire la différence. Et pour ça, il va falloir 3 minutes de très haut niveau pour bousculer un combattant expérimenté comme super bon. Autant dire que quand vous êtes dans cette situation dernière ou face à un Thaïlandais de ce niveau-là, très difficile d'inverser la tendance. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est une anglaise. Ouais, bah alors les jambes en middle. Et là, c'était la droite, hein. La jambe droite. Allez, oui, il attend la haie. Et le 3, le 4 par arrière. Envoie tes jambes aussi. Oui. Premier, Will. Oui, encore, Will. Oui. Allez, oui. Arrête d'attraper, boxe. Allez, moins de 2 minutes. Continue la pression. C'est pas facile, hein. Mais en même temps, super bon est tellement verrouillé. Marche avant. Et encore ce coup d'œil pour faire reculer Wilson, gagner un peu plus de temps.
C'est un peu le genre de combat auquel on pourra assister la semaine prochaine avec Pete Panambrun contre Capucao contre Elvis Gachi pour la ceinture des 65 kg Glory. On va en voir de la jambe gauche. Mets la pression. Allez, la droite derrière. Mais quand c'est pas le middle, c'est le genou. Arrête d'attraper. Allez. Après, il y a le combat, Kamel, et puis il y a la nuit des champions. Et pour être invité de nouveau à une nuit des champions, il faut aussi faire vibrer le public. Hein. C'est un public de connaisseurs. Alors, il est efficace, super bon. Mais il est plus super bon que super beau quand même, hein, ou super excitant. Ah, ça dépend ce que vous aimez. Là, il a piqué un super travail de gaucher, il a marqué ses points, il a tourné à chaque fois du bon côté, il a mis en difficulté Wilson. Il a même empêché Wilson de pouvoir poser sa boxe. Et pour vous, dans 20 secondes, il aura super gagné alors. Oui. Super, peut-être pas, mais il aura gagné. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est gagner et rien d'autre. L'histoire ne retient que le résultat. C'est ça. Puis c'est en face, ça aussi, Wilson Varela qui a été confronté à une problématique qui n'a pas vraiment trouvé la solution. Et dans le même cas de figure, puisqu'il n'était pas non plus présent au Partouche Kickboxing Tour. Et donc, ça peut expliquer aussi ce soir j'ai du mal à dire petite performance quand même. Mais enfin, ça peut expliquer cette déception. Ah, disons qu'il a eu, affaire à un combattant qui était vraiment sur le tempo, qui a fait parler ses deux jambes sans aucun problème, même si Wilson a essayé pour cette ceinture des 70 kilos. Il a penché la décision pour lui, mais déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Dans le coin rouge, Super Bowl Benjamin. Bien sûr, victoire de Super Bowl Benjamin qui a été quand même.